Voilà. Donc vas-y, c'est un salut. Donc là, si vous suivez les vidéos, si vous avez la force de suivre le marathon infini de vidéos, parce que ça veut dire qu'on peut faire un salut. Lui, c'est vidéo. Il y a tellement de vidéos que moi-même, je les fais, mais je les regarde pas. Donc je suis à nouveau dans la 3008. Voilà. Donc je sors de la 2008 et puis je rentre dans la 3008. Donc déjà, je reconnais la 3008 que j'avais, en tout cas au niveau de. La seule chose vraiment que j'ai vu qu'ils ont changé. C'est ça, ce bouton-là. Peut-être celui-là, parce qu'il y a le bouton Engine Start là. Et puis au niveau du frigidaire, ça c'est le coffre réfrigéré. Il est identique, donc je reconnais. C'est parfait. L'écran n'est pas très grand. En tout cas, je trouve que l'écran ici là, il est plus grand sur la 2008 que sur la 3008. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Au niveau du confort, c'est identique avec celle que j'avais. Sinon, je vois qu'ils ont un élément ajouté, c'est celui-là là. Ça, là. Là, là, ici, ça. Alors, j'ai un coup de cœur. Donc, quand on a des coups de cœur, vous savez, ben, bon, on vient attirer. Ça fait bizarre. Là, je dis, avant 2 heures, il me voit, mais j'avais du mal à lui parler parce que je veux acheter la voiture, mais j'ai pas encore les moyens. Donc, les mots sortent pas. Je veux acheter la voiture, mais j'ai pas les moyens. Donc, je suis coincé. Je lui dis, ouais, quoi, ouais, je reviens vous voir. Lorsque j'ai la force de la banque, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que j'étais troublé parce que je ne m'attendais pas à la voir. Donc du coup, je l'ai vu, c'était une surprise. Mais voilà, donc voilà. Alors, un petit volant. Ce que je trouve au niveau de l'esthétique, elle fait plaisir. Je me rappelle les beaux souvenirs que j'avais. Je dansais souvent dans la voiture. J'ai même fait des vidéos dessus. Et c'est pour ça que vous me revoyez, malgré que j'ai pris du temps pour me décider à l'acheter. Voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai vendu par obligation et je veux acheter une parce que le coup de cœur est garanti. À bientôt pour de nouveaux épisodes de Peugeot. Bye!